La prison Black Dolphin en Russie abrite certains des criminels les plus durs et les plus violents du pays. Des prisons les plus brutales de Russie, de la prison de Butyrka, où la surpopulation et la famine sont courantes, à la prison isolée de Pyatak, où les prisonniers ne sortent jamais vivants, sont infâmes pour leurs conditions sévères. Ces lieux sont conçus pour briser une personne, tant physiquement que mentalement. Mais peut-être que le pire est la prison des hiboux en Russie, où les prisonniers s'attendent à mourir à moins 50 degrés Celsius. Les prisons de hiboux polaires et de loups polaires en Russie. Loin au nord, au cœur des montagnes de l'Oural en Russie, il existe un endroit qui ressemble davantage à un désert gelé qu'à autre chose. Ce n'est pas seulement le froid mordant ou les étendues de neige à perte de vue. Non, c'est beaucoup plus sombre. Niché dans le petit hameau isolé et tranquille de Kharp, situé à 1200 miles au nord-est de Moscou, vous trouverez deux des prisons les plus redoutées et notoires de toute la Russie. Ici, le temps semble se figer avec les prisonniers enfermés à l'intérieur, ne laissant que la terreur et le désespoir. La ville de Kharp n'était pas toujours connue pour abriter des criminels. Assassins, chefs de la mafia, tueurs en série. En 1961, cela a débuté comme un camp de travail où des prisonniers construisaient une voie ferrée. Aujourd'hui, la principale renommée de la ville repose sur ces deux pénitenciers notoires, IK-18, connu sous le nom de Hibou Polaire, et IK-3, surnommé le Loup Polaire. Les deux noms peuvent sembler presque mythiques, mais la réalité est bien plus sombre. Ces prisons accueillent aussi d'autres détenus. Ils sont réservés aux pires délinquants de Russie et à ceux qui s'opposent au gouvernement. Le premier Polar Owl est une prison de haute sécurité. C'est l'une des 7 colonies de travail en Russie, destinées aux condamnés à perpétuité. Il est situé près de la rivière Sob, entouré de montagnes imposantes, mais il n'y a rien de paisible à son sujet. Le paysage austère et désolé cache un climat qui n'est rien de moins que véritablement brutal. La moitié de l'année, les températures restent autour de 40 degrés en dessous de zéro. L'hiver commence souvent très tôt en automne et ne relâche son étreinte glaciale que lorsque l'été est presque entièrement terminé. Lorsque le temps n'est pas glacial, la pluie et le vent frappent les prisonniers. Même les nuits semblent durer une éternité. Les nuits polaires, où le soleil ne se lève pas pendant des jours. Le hibou polaire est devenu une véritable prison pour les condamnés à perpétuité en l'an 2004. À l'intérieur de ces murs se trouvent des hommes qui ont commis certains des crimes les plus horribles. La vie là-bas n'est pas seulement dure à cause du climat. Les prisonniers sont presque toujours enfermés dans leurs cellules. Chaque cellule a un lit confortable, mais les détenus ne peuvent pas s'y asseoir ou s'y allonger avant 22 heures chaque nuit. La plupart du temps, ils sont seuls, sans personne à qui parler et sans connexion humaine. Une seule visite annuelle d'un membre de la famille est le seul aperçu du monde extérieur qui leur est permis. Un prisonnier, en décrivant son expérience, a dit qu'il avait l'impression que la prison avait été construite dans un seul but. Briser l'esprit humain. Il est facile de croire que c'est vrai. Les détenus n'ont même pas le droit de se parler entre eux. Le silence est assourdissant, s'étirant pendant des années, peut-être pour toujours. Personne n'a jamais réussi à s'échapper de la prison Polarowl. C'est ce qu'on appelle la prison du loup polaire en Russie. Et c'est le nouveau domicile du politicien d'opposition emprisonné. Un homme a tenté sa chance en 2011, mais il n'est pas allé très loin. Avant que les gardes ne l'attrapent, une meute de 20 chiens de berger caucasiens faillit le déchirer. Il est clair qu'il n'y a pas d'échappatoire ici. Mais si vous pensez vraiment que Polarowl est le pire, détrompez-vous sincèrement. La deuxième prison située à Kharp, connue sous le nom de Polar Wolf, pourrait être encore bien pire. Cette prison tristement célèbre a fait la une des journaux internationaux en 2023, lorsqu'Alexei Navalny, le leader charismatique de l'opposition russe, y a été envoyé. Son crime, officiellement, et le détournement de fonds et l'extrémisme. Mais beaucoup croyaient que ces accusations étaient une punition motivée politiquement. Navalny n'a pas duré longtemps. 2 mois après son arrivée, il était mort. Alexei Navalny, principal opposant de Poutine, était un dissident russe avant sa mort. Les prisonniers du Polar Wolf vivent dans une misère constante. La prison est glaciale, avec peu ou pas de chauffage pour les protéger des températures glaciales. Certaines cellules ont de petits radiateurs au sol, mais d'autres n'ont rien d'autre qu'une blague cruelle. Des radiateurs peints sur le mur, n'offrant aucune chaleur. Un ancien prisonnier,
qui a bravement survécu à une rencontre terrifiante avec un loup polaire et a été libéré en 2018, a partagé des détails glaçants. Il se souvenait clairement comment les gardes les punissaient brutalement en plein hiver. Les prisonniers ont été traînés à l'extérieur, à peine habillés pour le temps, et forcés de rester parfaitement immobiles pendant près d'une heure dans des températures pouvant descendre à moins 45 degrés Celsius. Les gardes se tenaient là, observant comme des faucons. Si quelqu'un osait vraiment bouger, tout le groupe entier serait trempé d'eau glacée, sans aucune exception. Le printemps n'a pas non plus offert beaucoup de répit. Avec la neige qui fond et l'air qui se réchauffe, les gardiens ont trouvé de nouvelles façons de tourmenter les prisonniers. Ils ont été laissés dehors, entourés de nuées de moustiques et de mouches piqueuses. Les prisonniers pouvaient sentir les insectes les piquer et ramper sur leur peau. Mais bouger pour les chasser signifiait une nouvelle salve avec le canon à eau. Le système chez Polar Wolf a été conçu pour écraser toute trace de résistance ou d'espoir. Les gardes régnaient avec un pouvoir absolu, et l'obéissance était le seul moyen de survivre. La confiance était aussi une chose dangereuse. Les prisonniers étaient souvent contraints de devenir des informateurs, se dénonçant les uns les autres pour obtenir les faveurs des gardiens. Cela a brisé toute chance de solidarité entre eux. Un prisonnier a déclaré que, contrairement à d'autres prisons russes, où un sentiment de communauté pouvait aider les gens à traverser les jours les plus sombres, Polar Wolf s'assurait que cela n'existait pas. Inutile de faire confiance. Beaucoup de ceux qui ont quitté la prison n'étaient pas vraiment libres. Le traumatisme les hantait longtemps après avoir quitté les lieux. Plusieurs anciens prisonniers ont parlé des cicatrices mentales qu'ils portaient, des blessures que le temps n'avait pas guéries. Certains se retrouvaient à lutter contre des problèmes de santé mentale, peinant à retrouver une normalité dans un monde qui n'avait plus de sens pour eux. Pour ceux qui étaient encore à l'intérieur, il n'y avait aucune échappatoire à la misère. Le froid, l'isolement, la peur constante, tout cela agissait ensemble pour s'assurer que personne ne quittait Polar Wolf comme il y était entré. Mais alors que la chouette polaire et le loup polaire semblent être des prisons où personne ne pourrait survivre, encore moins s'échapper, il existe un endroit encore plus infâme. Une autre prison plus profondément ancrée dans la vaste wilderness de la Russie, avec une sécurité si stricte que personne n'en est jamais sorti. Prison de Pyotak. Imaginez être enfermé dans une petite pièce pendant presque 23 heures par jour, en sachant que vous pourriez ne jamais en sortir vivant. C'est ainsi que la vie se déroule pour les détenus de la prison de Pyotak, située sur une île isolée dans la région de Vologda, en Russie. Il se trouve majestueusement entre Moscou et le cercle arctique, entouré de vastes forêts verdoyantes et des eaux froides et impitoyables du lac Blanc. Une fois que vous entrez dans cette prison, il est probable que vous ne sortiez que dans un sac mortuaire. Pyotak, parfois appelé l'Alcatraz de la Russie, est l'endroit où se trouvent environ 200 des criminels les plus dangereux du pays, a abrité 170 détenus parmi les criminels les plus violents du pays. Sans tenue, la prison, autrefois un ancien monastère orthodoxe, possède désormais de épaisses murs de briques blanches ornées de bobines acérées de fils barbelés. Pour ces prisonniers, l'évasion est impossible. Creuser des tunnels ne marchera pas, car ils rencontreraient de l'eau. Et si jamais quelqu'un essaye de nager, il serait rapidement abattu par les gardes bien avant d'atteindre le rivage. Les gardes ne sont pas la seule menace. La vie dans l'attaque de Pipi est dure, même brutale. Les prisonniers passent 22h30 chaque jour enfermés dans leur petite cellule à deux. Ils ne sont autorisés à quitter leur cellule que pendant 90 minutes. Et ce temps est passé à faire les 100 pas dans une cage extérieure exiguë. Avec si peu de mouvement et de lumière du soleil, il n'est pas surprenant que le psychologue de la prison ait dit que les gens craquent. Le psychologue a expliqué qu'après seulement quelques années, les prisonniers commencent à perdre leur identité. Leur personnalité s'estompe, esprits en déclin. Selon le psychologue, personne ne peut rester ici pendant 25 ans et rester le même. Certains détenus survivent en s'isolant émotionnellement. Les autres personnes n'essaient même pas. Il n'y a pas d'eau courante dans leur cellule. Pas de vraie salle de bain, ni d'endroit pour se laver. Ce manque de besoins humains fondamentaux entraîne toutes sortes de maladies. Environ 50% des détenus sont tuberculeux. Pourtant, c'est l'isolement profond qui les brise plus que tout le reste. Imaginez savoir que vous ne pouvez voir que deux seules personnes du monde extérieur chaque année. Juste deux visiteurs. C'est tout ce que vous avez. Aucun autre contact avec la vie au-delà des murs de la prison. Un prisonnier, après un certain temps, a dit à sa femme de le quitter. Demande de divorce suggérée. C'est comme ça ici. La prison ne prend pas seulement votre liberté,
mais aussi vos liens, votre vie telle que vous l'avez connue. Cela peut encore empirer, ne vous y trompez pas. Si les prisonniers sortent du rang, leur punition est d'une cruauté sans pareille. Pendant 15 jours, ils sont jetés dans une petite pièce sombre avec seulement un seau en métal pour compagnie. C'est juste une perche en bois pour s'asseoir. C'est ça. Pas de lumière, pas de véritable confort, juste un seau, un perchoir et leurs pensées. On pourrait penser qu'être enfermés de cette manière les protégerait des dangers des prisons ordinaires, de la violence, des agressions, des abus. Et oui, peut-être qu'ils sont à l'abri de ce genre de dommages physiques, mais la torture psychologique de l'attaque de Pia est suffisante pour déchirer quiconque. La solitude les ronge. L'isolement les écrase. Certains prisonniers ne peuvent pas le supporter et deviennent fous. Certaines personnes gardent le contrôle, mais ressentent constamment ce poids. Certains prisonniers se blessent intentionnellement dans un désespoir étrange. Ils avaleront des choses comme des poignées de théière, des cuillères et même des clous. Pourquoi ? Ils seront donc envoyés à l'hôpital pénitentiaire. C'est plus calme là-bas, peut-être même paisible comparé à leur cellule. C'est une solution, bien que temporaire. Personne n'a jamais réussi à fuir Piatak. Il n'y a nulle part où fuir. La prison se trouve isolée au milieu d'un lac gelé, entourée de vastes eaux tumultueuses et de nombreux gardes bien armés. Les artistes de l'évasion les plus déterminés échouent. Pour la plupart des prisonniers, il n'y a pas d'espoir, pas d'avenir en dehors de la prison. Ils vivent en sachant qu'ils mourront probablement là. S'ils ne sont pas réclamés, leurs corps seront enterrés dans un cimetière de village voisin. Au lieu d'un nom individuel, leurs tombes seront marquées par un simple numéro de série unique. Mais si vous pensez que Piotak est le pire, vous n'avez pas entendu parler de la prochaine prison sur la liste. C'est un endroit qui fera paraître Piotak comme une promenade dans le parc, la prison du Dauphin Noir. Dans la région d'Orenbourg, en Russie, se trouve l'une des prisons les plus redoutées du pays. Chaque criminel russe le sait, et tous partagent une peur commune. Ici, les droits de l'homme sont à peine pris en compte, surtout derrière ces murs de prison particuliers. Cet endroit s'appelle la prison du Dauphin Noir. C'est une imposante forteresse, soigneusement conçue pour contenir les pires des pires criminels. Un endroit où la pensée de la liberté n'est rien d'autre qu'un rêve lointain et inaccessible. La prison des Dauphins Noirs tire son nom d'une magnifique statue située à l'avant, en forme de dauphin noir. Étrangement, cette statue a été sculptée non par un artiste célèbre, mais par les prisonniers. C'est un symbole étrange pour un endroit qui abrite des tueurs en série, des cannibales, des terroristes et d'autres criminels violents. La prison est l'une des plus anciennes de Russie, mais elle est devenue un cauchemar de haute sécurité. Vous voyez, en réalité, s'échapper de la prison de Black Dolphin n'est pas une option envisageable. Personne n'a jamais réussi à s'échapper de cet endroit sinistre, et la prison veille à ce que cela demeure ainsi. Les 700 détenus de la prison ont ensemble tué environ 3500 personnes au cours des années. Cela représente une moyenne de 5 meurtres par prisonnier. Si vous voulez comprendre le niveau de mal à l'intérieur de cette prison, regardez simplement Vladimir Nikolaïev. Il est l'un des meurtriers les plus notoires de Russie. Nikolaïev a tragiquement tué un homme lors d'une violente bagarre ivre, a ensuite traîné le corps dans sa salle de bain et l'a découpé. Suite à cela, il a mangé une partie du corps. Comme si cela ne suffisait pas, il a donné une partie de la viande à un ami dont la femme l'a cuisinée sans le savoir et l'a servi à sa famille, en pensant qu'il s'agissait de viande de kangourou. Dans Black Dolphin, la vie quotidienne est très morne. Les détenus sont condamnés à une réclusion à perpétuité. Ils passent leur journée dans des cellules en retrait derrière 3 couches de portes en acier. Chaque cellule est une cellule dans une cellule avec 2 prisonniers entassés dans un espace de 50 pieds carrés. Il n'y a pas de paresse dans le projet Black Dolphin. Du moment où ils se réveillent jusqu'à l'heure du coucher, les prisonniers sont contraints de rester debout. Ils ne sont pas autorisés à s'asseoir ou à se reposer sur leur couchette pendant 16 heures d'affilée, sur leurs pieds. La position n'est pas seule en jeu. Les gardes effectuent des rondes toutes les 15 minutes pour maintenir les prisonniers sous surveillance constante. Si les détenus doivent quitter leur cellule, ils ne marchent pas droit comme des gens normaux. Non, ils doivent se pencher à la taille, les yeux fixés attentivement au sol. Cette règle bizarre vise aussi à les rendre mal à l'aise. C'est une tactique. En gardant la tête baissée, les prisonniers ne peuvent pas voir où ils vont, ni prendre note de leur environnement. De cette manière, les gardiens maintiennent un contrôle total et les prisonniers n'ont aucune chance de planifier une évasion. Chaque pas dans cette prison
et planifié pour empêcher les détenus de comprendre son agencement. Lorsqu'ils arrivent au Black Dolphin, ils sont les yeux bandés, totalement désorientés et complètement perdus dans cet endroit mystérieux. Et cela reste ainsi. Chaque fois que les prisonniers changent de bâtiment, ils portent des bandeaux pour ne jamais avoir une vue claire de leur environnement. Il n'y a pas de cour de prison ici, ce qui empêche l'exercice extérieur. Au lieu de cela, les détenus font les 100 pas dans une autre petite cellule. C'est leur seule liberté, si l'on peut même l'appeler ainsi. Et pendant qu'ils étirent leurs jambes, les gardiens fouillent leurs cellules à la recherche de quoi que ce soit d'inhabituel, s'assurant que les prisonniers n'ont rien qu'ils ne devraient pas avoir. Les conditions ne sont pas du tout supportables, malgré ce que vous pourriez croire. Il n'y a pas de cafétéria dans Black Dolphin. Les prisonniers prennent tous leur repas, qui consiste en soupe et pain dans leur cellule, 4 fois par jour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'ils ont. Les seules choses qui leur sont autorisées pour se divertir sont des livres, des journaux et une radio. Sans télévision, sans appel téléphonique, sans connexion humaine, juste les murs froids et inhospitaliers de leur cellule, ainsi que la voix occasionnelle à la radio. Tous les détenus ici connaissent une vérité. Une fois que vous êtes dans le Black Dolphin, vous ne partez pas. On ne peut quitter cet endroit qu'en étant mort. C'est une peine de réclusion à perpétuité dans tous les sens du terme. La combinaison de l'isolement prolongé, de la surveillance constante et de la morosité écrasante de la vie quotidienne pèse lourdement sur l'esprit des prisonniers, mais c'est fait exprès. Le Black Dolphin vise plus qu'à emprisonner des criminels. C'est censé les briser. La prison de Buterka est encore plus terrible que celle de Black Dolphin. Les choses pourraient encore empirer. Restez attentifs. Maintenant, il est temps pour le choix du jour des abonnés. L'image que nous regardons aujourd'hui montre la vue lugubre des cages de tigres au Vietnam. C'était un symbole notoire de cruauté pendant la guerre du Vietnam. Ces cages en fil de fer barbelé confinaient les prisonniers dans de minuscules espaces suffocants où ils étaient soumis à des tortures extrêmes. Les cages étaient si petites que les prisonniers ne pouvaient même pas s'asseoir droit, les forçant à rester dans des positions inconfortables et douloureuses pendant des jours ou des semaines. Les barres au plafond permettaient aux gardiens de frapper les prisonniers avec des bâtons ou de leur jeter de la chaux vive, ce qui brûlerait leur peau et pourrait même les rendre aveugles. Le soleil brûlant et implacable, ainsi que la nourriture et l'eau limitée, rendaient la survie presque impossible pour de nombreuses personnes. La prison des hiboux en Russie, où les prisonniers s'attendent à mourir à moins 50 degrés Celsius, peut sembler être un tout autre horreur, mais ces deux systèmes reflètent les aspects les plus sombres de la cruauté humaine. Que ce soit mourir de froid en Russie ou endurer une chaleur insupportable au Vietnam, ces prisons mettent en lumière les extrêmes auxquels les régimes sont prêts à aller pour briser leurs prisonniers. Que feriez-vous vraiment si vous étiez piégé dans une telle cage étroite ? Pourriez-vous supporter une telle cruauté et garder l'espoir ? Prison de Buterka. Cette prochaine prison a une réputation si sombre qu'il est difficile de croire qu'un tel endroit existe encore. Située à Moscou, la prison de Buterka existe depuis plus de 250 ans. Et pendant tout ce temps, cela a été un symbole de souffrance. Les conditions terribles, les violations et les évasions audacieuses ont été rapportées. Que se cache-t-il derrière ces ruines ? Derrière ces murs, la réalité est terrible. Aujourd'hui, la surpopulation à Buterka atteint un niveau dangereux. Des cellules initialement pour 10 personnes accueillent plus de 100 détenus. Il y a à peine de la place pour respirer. Dans certains endroits, le toit fuit constamment et la moisissure qui recouvre les murs et les plafonds est si épaisse et inquiétante. La situation est particulièrement difficile pour les prisonniers atteints de maladies. Beaucoup ont la tuberculose ou le sida. Les détenus malades sont regroupés sans véritable effort pour stopper la propagation de ces maladies. Pour aggraver les choses, les consommateurs de drogue partagent une aiguille entre eux, créant un terreau propice aux maladies. Le trajet de la prison au tribunal n'est pas meilleur. Les fourgons de police qui transportent les détenus sont surpeuplés, plaçant des prisonniers en bonne santé juste à côté de ceux atteints de maladies contagieuses. Les conditions dans les fourgons de prison sont aussi horribles que dans les cellules. C'est vraiment un miracle que quiconque réussisse à rester en vie suffisamment longtemps pour se rendre au procès. Buterka souffre d'un manque de besoins humains fondamentaux. Il n'y a que de l'eau froide au robinet, et les douches ne sont disponibles qu'une fois par semaine. Tout ce qui va au-delà, comme la nourriture, une télévision ou même un réfrigérateur, provient des détenus eux-mêmes ou de leur famille.
Un colis de soins pourrait arriver avec un jour de retard s'ils ont cette chance. Il est clair que le système pénitentiaire ne privilégie pas le bien-être de ceux qui sont enfermés. Au lieu de cela, les détenus sont laissés à survivre par eux-mêmes avec peu de soutien de la part des autorités. La communication avec le monde extérieur est presque impossible pour les prisonniers. Les téléphones mobiles sont une bouée de sauvetage pour ceux qui peuvent se le permettre. Cependant, ces produits ont un coût élevé. Les téléphones disponibles à l'intérieur de la prison sont si rares et fragiles qu'on les appelle couramment de la vaisselle en cristal. En obtenir un coûte très cher et le garder bien caché est encore plus difficile. Les gardes effectuent des fouilles régulièrement et il est facile de perdre un téléphone s'il est découvert. Certains gardes omettent de signaler la découverte d'un téléphone. Ils veulent le garder pour eux seuls. Les tentatives d'évasion étaient autrefois plus fréquentes, mais de nos jours, elles sont presque impossibles. La dernière évasion réussie a eu lieu en 2010, lorsqu'un Biélorusse nommé Vitali a réussi à s'échapper de l'unité psychiatrique de la prison. Il a maîtrisé un garde, a sauté par-dessus la clôture et le fil barbelé, puis a disparu. Les médias étaient fascinés par son histoire, qualifiant son évasion de fantastique et de surnaturel. Les gardiens de prison étaient perplexes face à sa montée rapide d'un mur de 5 mètres en quelques secondes. La liberté de Vitali n'a pas duré longtemps. Il a été arrêté 2 ans plus tard en Finlande et ramené à Butyrka. Depuis lors, la sécurité s'est encore renforcée. Plus de 400 caméras de haute technologie surveillent désormais chaque coin de la prison, rendant ainsi les tentatives d'évasion totalement obsolètes. Malgré la surveillance high-tech et la sécurité stricte, la vie à l'intérieur de Boudica reste brutale. Les prisonniers ici attendent leur procès, n'étant pas encore condamnés pour un crime. Mais ils sont traités comme s'ils avaient déjà été condamnés à mort. Les gardes de la ville ont peu de sympathie. Il n'est pas rare d'entendre parler d'inmates qui mettent fin à leurs jours ou qui sont retrouvés morts dans des circonstances suspectes. Il y a des murmures de torture et des marques de violence sont souvent retrouvées sur les corps des morts. En parlant de torture, cette prochaine prison a été spécifiquement conçue pour briser mentalement les prisonniers, la prison de Fortovo. La prison de Fortovo, située en périphérie de Moscou, est depuis longtemps un symbole de peur et de contrôle en Russie. Construit à la fin des années 1800, il a été conçu sous les tsars. Niché au cœur de la ville de Moscou, dans un petit bâtiment de 4 étages sans prétention. Il a acquis une notoriété pour son rôle durant l'époque soviétique. Le Fortovo n'est pas qu'une prison. C'est un endroit destiné à briser une personne, en particulier ceux qui osent défier le gouvernement russe. Le grand bâtiment au mur jaune, en forme de lettre K, donne l'impression d'un piège sinistre dès que l'on y entre. Chaque ancien détenu le décrit comme un endroit strictement conçu pour vous faire sentir profondément isolé et complètement oublié. Les couloirs sombres de la prison sont recouverts de tapis usés, qui étouffent totalement tout bruit. Silence inquiétant. C'est comme si la prison elle-même essayait désespérément d'effacer toute trace de vie humaine. Bien que l'Efertovo soit techniquement un centre de détention préventive, les prisonniers peuvent y passer des années, enfermés en attendant que leurs affaires avancent. Certains ne partent jamais. Au début des années 2000, l'Efertovo a été transféré du Service fédéral de sécurité au ministère de la Justice. Ce changement est survenu à la suite d'une exigence du Conseil de l'Europe, qui souhaitait séparer les organes d'enquête de la gestion des prisons. Pourtant, malgré le changement de supervision, la réputation de l'Efertovo pour son traitement sévère est restée. La vie à l'Efertovo est centrée sur le contrôle total. Les prisonniers sont autorisés à faire de courtes promenades dans de petites cours fermées, entourées de hauts murs. Les promenades sont brèves, juste 1 heure, et même alors, les prisonniers ne peuvent pas s'entendre. Un système radio central diffuse de la musique dans tout le complexe, pour garantir une isolation absolue. Il n'y a pas de conversation, pas d'échange de pensées, pas de connexion humaine, juste des murs et du bruit. Après avoir passé 10 jours en quarantaine, les nouveaux prisonniers sont transférés dans des cellules où ils restent soit seuls, soit partagent l'espace avec 1 ou 2 autres. Les cellules elles-mêmes sont minuscules, mesurant environ 85 pieds carrés, juste assez grandes pour accueillir un lit, une petite table et une chaise confortable. Il y a une fenêtre barrée, mais elle laisse à peine entrer la lumière naturelle. La fenêtre peut s'ouvrir un peu avec un levier, laissant entrevoir le ciel, mais cela est perçu comme une provocation. Juste assez pour te rappeler le monde extérieur, mais pas assez pour te sentir libre.
Les toilettes situées dans chaque cellule offrent très peu d'intimité, étant séparées du lit par seulement un demi-mur bas. Il y a un évier, un réfrigérateur et un petit cabinet provenant de la boutique de la prison, ou des colis de soins envoyés par des membres de la famille. La télévision, qui ne diffuse que des chaînes d'État, est un rappel constant de la propagande alimentée aux détenus, jour et nuit. Toutes les quelques minutes, un gardien jette un coup d'œil dans la cellule à travers un hublot circulaire sur la porte, s'assurant que le prisonnier reste sous surveillance constante. Les douches sont un luxe rare, autorisé seulement une fois par semaine. La structure entière de la prison, du comportement des gardiens aux routines rigides, est conçue pour écraser tout sens d'individualité. Les anciens prisonniers affirment qu'il est évident dès votre arrivée sur place. Vous n'êtes plus une personne ayant des droits. Vous êtes totalement à la merci du système en place. Les interrogatoires à l'Efortovo sont marqués par le bruit métallique. Les gardiens se signalent en frappant leurs clés l'une contre l'autre. Une manière d'annoncer qu'un prisonnier est transféré dans une salle d'interrogatoire. C'est un son qui résonne dans les couloirs, avertissant les autres prisonniers et le personnel de dégager la zone. L'observation des mouvements des prisonniers est interdite. Les gardes, en marchant avec assurance dans les longs couloirs, claquent des doigts, un autre signal subtil pour garder les autres hors de vue. Le journaliste russe Ivan Safronov, qui a passé plus de 2 ans à l'Efortovo, a un jour déclaré qu'au moment où vous y arrivez, vous cessez d'être une personne avec des droits. Les détenus comme Safronov décrivent la prison comme un endroit figé, un monde où l'isolement devient votre réalité. Ce n'est pas seulement l'isolement physique, le manque de contact avec d'autres prisonniers ou le monde extérieur, mais l'isolement psychologique. L'objectif du système est clair, vous faire céder complètement. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.